occasion, mais quelle belle occasion! De vieux tacos étaient réunis devant l'office de tourisme de Cluses dimanche 14 septembre pour la première édition de la Rando Taco. Trois grands départs étaient donc donnés dans le département, avec pour objectif un grand rassemblement à Douin, et tout ça au profit des Restos du Cœur. Alors le parcours donc pour nous de Cluses, il va passer par le col de la Colombière, le Grand Bournant. Il va retrouver les participants des deux autres départs que sont Faverges et Annemasse au niveau de la Clusaz. Et après, on se retrouve au lac de Tuy, où il y aura un petit arrêt festif. Et puis après, les trois départs partiront pour un parcours commun qui nous mènera au lac d'Annecy, à Douin exactement, où on est reçu par la municipalité de Douin sur la place de l'église pour le repas, pique-nique et une grande après-midi festive avec pas mal de petites surprises et de petites manifestations. Une grande journée festive et solidaire attendait donc les Hauts-Savoyards sur les routes du département.